Des sonorités diverses ont meublé la 4e édition de la Journée internationale de la chorale le samedi 4 septembre 2021. Sur la paroisse Saint-Michel de Godemé-Centre, les choristes et maîtres de chœur de l'église du christianisme céleste de l'Atlantique ont mouillé le maillot avec chants et danses pour la gloire de l'Éternel des armées. Et tout ceci a comblé les attentes du président de la région de l'Atlantique. La fête d'aujourd'hui, c'est une fête qui est marquée de deux signes vraiment importants. Pourquoi ? Parce que c'est une fête. On a décidé, bien sûr, décidé, n'est-ce pas, de partager des Bibles aux choristes. Donc là, sans la Bible, les choristes ne veulent pas connaître comment pratiquer les règles de l'Église. Sans la Bible, ils ne peuvent pas respecter les prescriptions de l'Éternel. Donc je remercie beaucoup ceux-là qui se sont manifestés, qui ont fait tout effort pour trouver les Bibles. Je la sens montante, vraiment les remercie beaucoup, que Dieu les bénisse. Pour cette grande fête internationale, plusieurs chorales ont effectué le déplacement. À tour de rôle, elles ont loué Dieu avec des rythmes traditionnels, passant par le moderne. Jusqu'au célèbre à Rouen-Baron. Les participants ont fait vibrer à leur manière les cœurs sous l'assistance de l'Esprit Saint. Et les organisateurs se disent satisfaits du point de vue objectif et particularité. Nous avons l'honneur de vivre l'action de grâce qui officialise la célébration de l'édition 2021 de la grande fête des chorales du monde entier. C'est aussi une date de souvenir du 11e anniversaire de l'investiture du pasteur Bénédicte Akande Adéogun. Le bureau régional de suivi des chorales a décidé, avec la collaboration de CBSC, en ce jour spécial, de se rassembler ici sur cette paroisse Saint-Michel de Godemé-Centre pour chanter, pour adorer, pour glorifier, pour magnifier, pour exalter. Que sais-je encore, tout ceci pour rendre grâce à Dieu.
pour ses merveilles dans la vie des chorales de l'Atlantique. La particularité de cette édition est celle-ci. 26 BSC, c'est-à-dire Bureau de suivi des chorales, 26 sur 52 seront distingués chacun de plusieurs exemplaires de Bible en français et en fond. À leur tour de s'organiser pour en acheter de plus afin de distribuer aux choristes de leur chorale de chaque sous-région au cours d'une fête de BSC. À leur tour, je parle bien des choristes, non seulement ils iront propager la bonne nouvelle de l'évangile, comme l'a souligné l'évangile selon Marc 13, verset 10 et Matthieu 28, 18 à 20, mais aussi ils s'inspireront des copies de Bible pour composer des chansons afin de louer, de glorifier et de chanter les louanges de Dieu. Exode 15, verset 1, psaume 149 et psaume 150. Avec au total 52 bureaux de suivi des chorales, 26 meilleurs d'entre eux, soit la moitié, ont eu le privilège de repartir dans leurs sous-régions respectives les mains remplies de Bible pour mener à bien la mission. Et dans le lot, le bureau de suivi des chorales d'Abomey-Calavi A s'en sort avec la première place. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de travailler là très longtemps. On se connaît et les chariots paroissiaux nous connaissent. Donc, nous les présentons souvent et nos rapports. Pour cela, si nous avons de doléances, nous allons vers eux et ils le font, ils sensibilisent tout le monde et ils viennent à notre secours. Nos réunions sont périodiques, les maîtres de cœur sont obligés d'arriver. Le maître de cœur qui ne vient pas, ce maître de cœur est signalé à son chargé, le chargé paroissial, le met en garde. Donc c'est notre secret. Aujourd'hui, mes impressions sont bonnes. Je suis très content.